Merci Seigneur. Barak wa inna pramira bana escro de ver manroa de ifilias manical afarazan wa inna aspramora talukum wa in espari er en faladen isparos men craveras munra ibraida in esparoi de croveres in amoradei predaman sa ukarif in abramiradan salakan wa idras marat inala ikwa wa ispari na udae forazo biloi ki na us pramora de infilia na elamen wa kreta us meda en wa inna maros perazasta min krabera udalafras men aksalata min ashurbin wa in prameroveda wa asparita amora iden en frozei korbias man edan wa inna aspalaken wa adan Lobremita li filikinta udal zabaras in aspromerazo. Lo ina Elohim wa ines krovi de man aksalia in saborami delika rosmen ege videlai lukurumi de en aspalia nau de foraj belakaruvi in asprovere ina elbaruski wa in zaro del maro sekrevi de en arebin Wallo ki es mani tali filie dau inna os kravo men arei bila beros pera idias man adan ta udala forazen morazo de li filien. Merci Jésus. Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Il est 6 heures. L'apôtre Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Et il dit, je ne parlerai pas seulement en langue, mais aussi je chanterai en langue. Chanter en langue, c'est un autre niveau dans le baptême, dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas tous ceux qui sont baptisés dans l'Esprit de Christ qui chantent en langue. Là, c'est un autre don de Dieu. C'est une autre merveille du ciel. Biloka rosman evanita wa asmalita ukinau inarban saukraf. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savaient pas que je parle en langue, qui étaient convaincus que je parle la langue maternelle. Non, c'est le parler en langue. Quand vous parlez en langue, quand c'est le vrai parler en langue, on va enseigner sur ça un jour. Parler en langue, le vrai. Parler en langue, c'est... Peut-être je vais vous enseigner. Voici la semaine prochaine, c'est possible d'enseigner sur ça les dons de l'esprit. On parle des dons et des fruits de l'esprit. Parler en langue, c'est parler. C'est pas zozoter. C'est pas glouglouter en langue. C'est pas baragouiner. En langue, c'est pas blaser en langue, non. Parler en langue, c'est s'exprimer. Le parler en langue doit être propre, clair. Donc, c'est pas que du 1er au 31, c'est ba 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 ba. Si vous répétez les mêmes choses depuis des mois, depuis des années en parlant en langue, c'est pas le baptême dans le Saint-Esprit là-bas. Repentez-vous et demandez au Saint-Esprit de vous baptiser véritablement. Ce n'est pas le Saint-Esprit là-bas. Vous ne parlez pas la langue du ciel. Les langues du ciel, on les reconnaît. Elles sont intelligibles. Elles sont articulées. Elles sont merveilleuses. Elles sont belles. Voilà. Donc, si tu parles en langue, tu répètes les mêmes choses tous les jours. Shabara, bara, shabara, bara, shabara, bara, shabara, bara. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Ton parler en langue a un gros déficit. Un très gros déficit. Donc, voilà. Que Dieu te bénisse.
Nous bénissons le Seigneur. Nous allons commencer la prière. Disons merci, comme à l'accoutumée, à Dieu, pour cette nouvelle journée. Disons-lui, Seigneur, bénis-nous, Seigneur. C'est un don. Nous ne voulons pas gaspiller ce don. Nous ne voulons pas être indignes de ce don. Nous ne voulons pas recevoir ce don vainement. Seigneur, parle-nous au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Garde-nous, dirige-nous. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus-Christ. Gourami wa innas palazen. Anoraba udali filiana ugorazi. Isma udali karfaras. Inao arbias. Mana idias mancha crevodei, wa inau alibim, wa inesparita udalikali, wa ismaria na elafaras. Merci pour cette nouvelle journée. Jésus, mon âme, te loue et te bénit. Seigneur, nous prions que ton nom soit glorifié par ces dons de cette nouvelle journée. Nous ne voulons pas être indignes de ces dons, mais nous prions que ta main qui surpasse tout nous oriente, nous guide et nous dirige. Béni soit ton nom pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander au Saint-Esprit que cette journée soit une journée de moisson. Que ce soit une journée de moisson pour chacun de nous. Nous allons sortir, nous allons travailler, faire de nos mains de quoi vivre. Nous allons prier que la main de Dieu en cette journée accomplisse ses promesses pour nous. Que Dieu nous rende féconds et fertiles. Que Dieu te donne du succès dans tes entreprises en cette journée. Tout ce que ta main doit toucher, que Dieu bénisse cela pour que ça aille de l'avant. Sauf dans la prière au nom précieux de Jésus-Christ. La Odaman Sauda li foras pera udei. Anokra benau alparas minau alifili wa inesmali kalafera. Ina minau dali minjas. Minau dali falau gali algas. Manchara ida in avros men eda kinta wa inesmali aloki. Père, nous prions pour cette journée. Bénis l'œuvre de nos mains. Voulons, Seigneur, que tu nous bénisses. Que ta bonne main soit avec nous, qu'elle nous oriente, qu'elle nous guide. Seigneur, nous voulons jouir du fruit de notre travail, selon ce qui est dit par le prophète. Dites que le juste prospérera et qu'il gira du fruit de son travail. Béni soit ton nom pour l'éternité. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu en cette nouvelle journée qui nous donne ce beau cadeau que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, d'exposer tous les plans cachés de nos ennemis. Que Dieu expose tous les plans cachés. Vous savez, beaucoup de gens meurent parce qu'ils ne découvrent pas, elles ne découvrent pas, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on dit une gens avec T à la fin, une gens. Donc beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir parce qu'elles sont mal entourées. Il y a des personnes qui ne devraient pas être avec elles, qui sont avec elles. Il y a des personnes qui n'avaient rien à faire dans leur vie, qui sont présentes dans leur vie. Vous savez, la Bible explique dans la parabole des noces, Jésus-Christ va nous expliquer puissamment par cette parabole-là l'importance de se séparer de toute personne qui n'a pas le droit de citer dans votre vie. La Bible dit que quand Jésus-Christ, il dit quand le maître des noces arrive, il regarde dans la salle, tout le monde est vêtu de blanc. Mais il y a un monsieur là qui a une tenue bizarre, qui ne ressemble pas à celle des invités. Et Jésus dit que le maître des noces lui pose la question suivante. Mon ami, tu as fait comment pour venir ici? Il y a des gens à qui il faut demander. Mon ami, tu as fait comment pour entrer dans ma vie? Mon frère, tu as fait comment pour entrer dans ma vie? Ma soeur, par quel miracle es-tu entré dans ma vie? Donc il y a des personnes qui doivent sortir. La Bible dit qu'immédiatement la personne a été mise dehors. Toute personne qui est entrée par erreur dans ma vie, toute personne qui s'est infiltrée dans ma vie, Seigneur, au nom de Jésus, que le soleil de cette journée ne se couche pas, que cette personne soit sortie de manière furtive comme elle est entrée dans ma vie. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Il y a des gens qui doivent te laisser avancer, laisser grandir, laisser te marier, laisser voyager, laisser accomplir. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Barosa in aspari kaufilia. Anurabana utelao in asmari fil emera in kromida di file idaus munra ivorei. Bano jeda lomina uteli kan samora vide in adresto. Borazi asmani fiki na uani kalmasar kaude in farozia. Barukumi de lo feros men adros prevres min akromi. Roban surmi dali fili gumi in krei. Wa idias mani farazes pera en craveros menroidei balakura borazo borfiri in aura in abromira vres creveres imora idias porifili in kares ba inamaros cref
balota idali manokreva wa inespro midali filialau albarokum wa ispita udali gasfa wa inesmali karfarazen wa idias mancharba udali farzen. Seigneur, ton nom est grand au nom de Jésus. Que toute personne qui n'a rien à faire dans nos vies sorte. Que nos vies soient consistantes devant toi. Que toute personne qui consiste en frein pour nous, Seigneur, libère nos vies. Allège-nous dans les voyages de la vie. Au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sincèrement, je te dis la vérité, apprête-toi au pire. Prépare-toi au pire parce que des choses, des gens vont te quitter que tu ne pensais même pas. Toute personne que tu penses être avec toi, mais qui, quand tu n'es pas là, parle de méchanceté sur toi ou pense dans son cœur du mal de toi, cette personne va te quitter au nom de Jésus. Parce que quelqu'un qui t'aime ne peut pas parler mal de toi hein, quand tu n'es pas là. Non, non. Ne peut pas parler mal de toi. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas. Même si tu lui fais quoi, la personne ne peut pas. Elle va dire non, pardon, que Dieu m'en préserve. C'est de ça qu'il est question. La personne ne peut pas parler mal de toi. Ainsi à quoi? Mais ceux qui, dans le secret, parlent mal de toi et quand ils te voient, ils changent. Que la méchanceté tombe contre sur eux-mêmes. Que Dieu soit juge. Et que le Seigneur te préserve, qu'il te garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons faire un dernier sujet de prière. Seigneur, en cette journée, donne-moi la grâce d'obéir à ta parole, de marcher dans la sainteté, la justice, l'intégrité de mon cœur. Seigneur, ne permets pas que le diable me séduise par le péché. Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Garde-moi de tomber dans le péché en pensant en parole et en acte. Nous sommes dans la prière au nom précieux de Jésus-Christ. Barouanaou el Farazen, Père, nous prions pour ta sainteté, que ta sainteté, ta pureté, l'intégrité nous soient données en cette journée. Seigneur, nous voulons être justes partout où nous serons, être intègres. Des personnes sur qui tu peux compter, préserve-nous du mal, préserve-nous de tomber dans le péché, préserve-nous de nous souiller. Seigneur, garde nos vies de la saleté de la vie. Accorde-nous la grâce d'être juste et vrai, de marcher dans la justice en défendant la vérité tout au long de cette journée, partout où nous irons. Nous voulons être des exemples, être des sources d'inspiration, des modèles en tant que serviteurs et servantes de Dieu vivant. Seigneur, merci parce que ton esprit se mêle à notre esprit pour nous maintenir debout en cette journée et nous garder de tomber dans le péché, dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève ta main où tu as dit, mon Père et mon Jésus, je m'engage à obéir à ton esprit en cette journée. Garde-moi du péché. Je veux vivre loin du mal, de l'injustice, de la méchanceté, de la haine, de la jalousie. Et Seigneur, de mauvais desseins. Je veux vivre comme tu veux et je veux faire ce qui est droit à tes yeux en cette journée. Seigneur, remplis-moi ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait ce prière avec foi, l'Esprit de Dieu est avec toi, il est en toi, il va te remplir, il vient de te remplir et il va te conduire pendant ces journées dans toute la vérité. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, la main de Dieu sur toi et voilà. Nous voulons parler rapidement ce matin sur la seconde route, les secondes routes ou bien les routes secondaires. Les routes secondaires, ou bien la deuxième route. Voilà, la deuxième route. Et on va lire rapidement dans Genèse, Genèse le chapitre 16, pas du verset 1. On va lire tout le chapitre et puis le chapitre 17 aussi. C'est pour ça qu'on va aller vite. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. » Vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis en son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle.
Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ses mains. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela, Atta El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akaï-Roi. Il est entre Kadesh et Barrette. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, qu'Agar lui avait enfanté. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar engendra Ismaël à Abraham. Chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera appelé Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Voilà. Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse et extraordinaire. Nous prions qu'elle puisse nous donner de marcher dans tes voies et d'obéir, Seigneur, à tes commandements. Et mon âme te loue et te bénit parce que ta parole est vivante au milieu de nous. Gloire à toi, Seigneur, au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Et nous avons ces deux chapitres merveilleux que la Bible nous donne de partager ce matin. Et je parle de la voie secondaire, la deuxième route. La deuxième route. Donc, c'est un peu ça le thème, la deuxième route. Que Dieu nous donne de comprendre ce mystère. Vous savez, la Bible est pleine de mystères. Avant de parler de la deuxième route, je veux quand même revenir sur un certain nombre de choses là, une ou deux choses très importantes, deux informations ou trois importantes dans le texte et qui peuvent nous aider aussi. Ce sont des bonus, quoi. Dans le passage, la Bible dit qu'à un certain moment de leur couple, après avoir fait 10 ans sur la terre promise, ça veut dire que les gars ont marché et sont arrivés sur la terre promise après avoir marché 10 ans. Et si nous savons que Abraham a été appelé à 75 ans, ça veut dire qu'après avoir fait 10, après avoir habité pendant 10 ans dans le pays, et on dit que c'est à 86 ans qu'il a donné naissance, qu'il a pris Agar, qu'Agar est venu, qu'Ismaël est né, qu'il avait 86 ans. Donc, après avoir vécu 10 ans dans le pays de Canaan, la terre promise, rien ne s'est passé. Dans la terre promise, ça veut dire qu'il est arrivé où Dieu l'a envoyé, mais rien ne s'est toujours passé. C'est comme s'il y avait des blocus, des blocages, etc. Et la Bible explique donc que sa femme, Sarah, notre maman, va demander à Abraham, va lui dire, ok, tu sais qu'on est en Égypte dernièrement, on a même ramené des servantes, alors prends celle-ci, la prends Agar. Parce que Agar, c'était peut-être la plus belle, la plus intelligente, peut-être la plus soumise, la plus obéissante. Elle était exemplaire dans tous les cas, une source d'inspiration pour les autres serviteurs. Et Sarah va dire à son mari que, ok, comme ça fait 10 ans, Dieu t'avait dit qu'on aurait un enfant, on est déjà sur la terre promise. Et puis l'enfant ne vient pas. Moi, je suggère que prends Sarah, prends Agar et fais-moi des enfants. Et comme ça, peut-être, c'est comme ça que Dieu voulait que ça se passe. Et tu n'as pas bien compris. La Bible dit clairement, et Abraham écouta la voix de sa femme. Donc, il va donc écouter la voix de sa femme. Et on dit d'habitude que et Abraham écouta la voix de l'Éternel. Ou bien tel écouta la voix de l'Éternel. Ben ici, la Bible dit, et Abraham écouta la voix de Sarah, ou la voix de sa femme. Donc, il va écouter la voix de sa femme, pas la voix de l'Éternel. Et il va épouser. Il va prendre Agar qui va lui donner un fils. La Bible dit que Saraï va se plaindre auprès de son mari, disant que la servante que tu m'as donnée, en fait, elle me méprise. Maintenant qu'elle est enceinte et elle sait que je suis stérile,
Et donc, elle me méprise parce qu'elle se dit que je dois quitter et prendre, elle doit te prendre. Et c'était normal, c'est-à-dire qu'il fallait s'attendre à ça. J'étais une jeune fille, elle était belle, elle était pimpante, et certainement, elle a bien touché Abraham. Et le père lui-même a senti que non, vraiment, ça, l'enfance, il y a de l'avenir, du potentiel. Et donc, immédiatement, l'enfant se dit, OK, ma servante, la maman, là-même, je peux tout faire pour la pousser loin du mariage. Si tu as quelqu'un comme ça autour de toi, que Dieu te sépare de cette personne. Dans le nom précieux souverain de Jésus, ça veut dire que tu es marié, tu es dans ta maison, tu as ta soeur, ta cousine, ou bien ton ami qui est là avec toi. Tout son souhait, c'est de te chasser de ce mariage. Si je pouvais arracher son mari, si je pouvais prendre le mari de ma soeur, si je pouvais prendre le mari de ma cousine, de mon ami, etc. Que Dieu te préserve. Ou bien tu as un ami dans ta maison. Et ton ami, ou bien ton frère, ton cousin, c'est le gars qu'on voit ta femme jusqu'à. C'est-à-dire, il prie que si tu peux même mourir là, il prend la femme là. Que Dieu chasse une telle personne de ta vie dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Agar s'est dit que mais, je suis enceinte. Qui va me, qui me pousse? Elle ne fout rien. Elle est là, juste vide comme ça, là. Qu'elle parte, qu'elle s'éloigne et qu'elle me laisse pour la maison. Donc, elle se comportait là comme étant la maîtresse de la maison. Elle ne savait pas de quoi Sarah était capable. Maman Sarah, quand il fallait être spirituelle, elle était spirituelle. Quand il fallait être charnelle, elle était charnelle. La Bible dit qu'elle s'est mise à maltraiter Agar. Non, non, elle est d'abord allée chez son mari. Elle va d'abord chez son mari. Elle dit à son mari que, OK, tu vois, maintenant, voici la fille, ma fille, j'étais une servante, elle veut se mesurer à moi. Je te l'ai donnée. Maintenant qu'elle est enceinte, elle se moque de moi. Non. Que Dieu soit juge entre toi et moi, parce que c'est toi qui permets qu'elle se moque de moi. La Bible dit que son mari lui a dit que ma femme, c'est ta servante. Ce n'est pas ton égale, c'est ta servante. Ce n'est pas ta cousine ou bien l'enfant de ta soeur ou n'importe qui, c'est ta servante. Et à l'époque, on parle d'esclave, servante, c'était vraiment une personne qui t'appartenait, comme une chose peut t'appartenir. Donc, elle t'appartient, elle est ton bien, elle fait partie de ton patrimoine. Fais d'elle ce que tu veux. Lorsqu'il a dit ça, la Bible dit que Sarah se m'a dit que merci papa. Oh papa, merci pour la réponse là. Du coup, Agar, tu es où? Et la Bible dit que Sarai s'est mise à maltraiter Agar. Maltraiter la Bible, et ce qui est important dans la Bible, c'est que la Bible parle de ce qui est bien. Vraiment, quand il faut louer quelqu'un, la Bible loue la personne. Et quand il faut aussi descendre la personne, la Bible descend la personne. Donc la Bible, c'est ça l'esprit scientifique et de justice des écrivains de la Bible qui est caractériel et qui fait en sorte que la Bible soit un livre original. Elle ne répare rien, elle ne masque rien. Non, 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 non. La Bible dit clairement que Sarai s'est mise à maltraiter Agar. Elle a dit, je vais te montrer. Comme une des femmes de mes pasteurs m'avait dit, je vais te montrer que je suis le diable. Je suis Satan, Satan en personne. Elle m'a montré. J'ai vu. Donc, Sarah a dit à Agar, je vais te montrer. Ce n'est pas le bébé qu'on fait ici. Je vais te montrer que c'est mon mari. Ce n'est pas parce que j'ai pas l'enfant. Et je bénis Dieu pour Abraham. On va revenir sur ça. La semaine prochaine, la semaine qui est en train de venir par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous avons un grand séminaire sur le mariage ici à Douala. Nous avons un grand séminaire sur le mariage à Douala ici, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ça sera terrible. Je vous dis la vérité. Ce soir, déjà, nous avons la mini nuit de flammes ici à Douala. Et jeudi, nous serons là pour le retour. C'est-à-dire, aller. Mini nuit de flammes, aller, c'est aujourd'hui. Et jeudi, ça sera le retour. Cette semaine sera très forte. Ne reste pas à la maison, s'il te plaît. Ne reste pas à la maison. Donc, le mardi, mercredi et jeudi, c'est-à-dire du 6 au 8 juillet, du 6 au 8 juillet, nous avons un grand séminaire sur le mariage, sous le thème « Briser les limites sentimentales, spirituelles, les barrières spirituelles, sentimentales. » Donc, on va briser tout ce qui t'empêche. Quand on dit sentimental, briser les limites sentimentales, ça veut dire les barrières ça, spirituelles. Ça veut dire tout simplement que si tu es marié, tu ne joues pas ton mariage, on va briser ces limites-là. Ou tu es célibataire, tu n'arrives pas à te marier. Ou alors, peut-être, tu as été divorcé. Et comment gérer cela? Comment faire pour te retrouver, pour être encore marié? Dans tous les cas, nous allons partager des secrets. Et pendant ce grand séminaire, je pense que je vais lire quelques messages que nous partageons avec Momi Shalom et Kanin. On va lire ces messages-là, on va les partager ensemble. Donc, que Dieu te bénisse. Ce sera des moments extraordinaires, ne manque pas. Et ce soir, à partir de 17h, toujours à l'immeuble Kamla, derrière l'immeuble Kamla ici. Donc, bon, Dieu veut te bénir. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Donc, ne manquez pas ce grand programme, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et le dimanche du mois de juillet, vous savez que c'est le culte des plaintes à l'éternel. C'est le culte des plaintes à l'éternel. Donc, et le thème du mois de juillet, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ».
Donc, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que le mois de juillet, c'est le mois des exploits avec Dieu. Nous allons faire des exploits dans chaque domaine de ta vie. La lumière de Dieu brillera sur toi. Que Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Agar, Sarah va commencer à maltraiter Agar. Elle va maltraiter Agar, maltraiter Agar. Et après, Agar va fuir, elle va s'en aller. Pendant qu'elle part, elle va arriver au niveau du puits de Lata El-Roi. Quand elle arrive là-bas, l'ange de l'Éternel va la croiser. L'ange lui pose une question. « Qu'est-ce que tu fais ici, Agar ?» Et elle répondra que « Ma maîtresse me maltraitait et je fuis. » Et l'Éternel dira à Agar, « Rentre t'humilier sous la main de ta maîtresse. » Même quand elle te maltraite, va. Dieu n'a pas fait de reproche à Sarah. Dieu n'a jamais évoqué ça avec Sarah. Non. Mais Dieu a dit à Agar, retourne. Parce que Agar, vous savez, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'il y a des enfants. Il y a des enfants que Dieu nous a donnés et qui, les enfants se sont déshérités eux-mêmes. Ça veut dire que l'enfant se dépouille de son héritage spirituel. Dieu avait réservé de grandes choses pour lui, mais il se dépouille de l'héritage spirituel. Il part en accusant le parent, que le parent est mauvais, le parent est trop dur. Sarah maltraitait Agar. Et Agar se disait que quand elle va dire à Dieu que ma maîtresse me maltraite tout, les gens ne connaissent pas la force de l'alliance. L'alliance était plus forte dans la vie de Sarai que son caractère vis-à-vis de son enfant. Dieu a donné raison aux parents, toujours. Dieu a donné raison aux parents. Dieu a gardé Sarai. Dieu a préservé Sarai. En fait, l'alliance a gardé Sarai. Et Dieu a dit à Agar que oui, je sais qu'elle te maltraite, mais va t'humilier. Maintenant, humilie-toi parce que tu es rebelle. Et le plus souvent, nos enfants, lorsqu'ils s'en vont, ne vont pas dire la vérité dehors. Ne disent pas qu'ils ont été rebelles. Ne disent pas qu'ils se sont mal comportés. Parce que je ne vois pas... Sarai a usé de représailles. Elle l'aimait Agar au début. Ce n'était pas comme ça au début. Non, c'était une histoire. C'était le grand amour entre les deux. Oui, maman. Oui, maman. Dès que l'enfant a vu qu'elle est enceinte, qu'elle peut dépasser la mère, elle peut déclasser la mère. Tu penses que ta mère, c'est là 100 ans. Et c'est la maman, là, elle se rend compte que tu veux prendre son mari, elle va te laisser. Immédiatement, elle a révélé la chair à maman Sarah. Maman Sarah lui a dit, je vais te montrer, je suis vieille, mais je vais te montrer que je suis capable de te faire pleurer, toi. Je vais te traiter, je vais te frotter la bouche dans la poussière, je vais te montrer, je suis la maîtresse de la maison aussi. C'était normal, elle voulait défendre son trône, elle voulait défendre son mariage, elle voulait sauver son mariage, sauver son mari. Elle voulait pas que la petite la vienne à cause de ce qu'elle est fertile et qu'elle connaît prendre le père, lui arracher son mari. Sa vie était en danger, son mariage était en danger. Immédiatement, elle a pris les armes charnées, elle a travaillé. Agar, et puis Dieu a dit à Agar, oui, je sais qu'elle te maltraite, mais soumets-toi, c'est ta maîtresse. C'est ça le problème, c'est un principe spirituel, c'est ton père spirituel. Même si ton père spirituel se comporte comment vis-à-vis de toi, mon ami, Dieu te dira la même chose qu'il a dit à Agar, va, soumets-toi, c'est ton père spirituel. Ta maman spirituelle, tu vas dire, non, elle babade trop, non, elle se fâche beaucoup. Oui, c'est ta mère, on ne renie pas sa mère, tu vas te soumettre. C'est le principe de Dieu. Donc beaucoup se disent, non, moi je m'en vais, oh, ceci, cela. Envers toi alors, envers toi. Je m'en vais envers toi. Dieu te dit, Dieu me dit va et je vais. Comme quelqu'un avait dit. Donc, voilà que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Mais ce qui nous intéresse dans le passage aujourd'hui, c'est la seconde route. Vous voyez? La Bible dit que lorsque Abraham est arrivé dans la terre promise, il se disait que certainement c'est la terre où mes souffrances vont s'arrêter. Et quand il est arrivé, il a fait 10 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10e année, rien. Sarai n'est pas enceinte. Et donc, il n'y a pas de. Il y a rien qui montre que l'enfant là va arriver, que ce que Dieu a dit va arriver. Et immédiatement, son épouse va lui dire que mon mari, je pense que j'ai eu une révélation. Je crois que le fils que Dieu t'a promis là, ce n'est pas de moi, c'était d'Agar. Prenons une servante. Et tu sais qu'Agar, c'est une belle fille, elle est bien. Tu la prends là. Les enfants que vous avez, ce sont nos enfants. Et la Bible dit qu'Abraham, immédiatement, n'a même pas résisté. Il a écouté la voix de son épouse. Et ça faisait deux voix qu'il écoutait. La première était celle de Dieu qui lui avait dit que ton épouse aura des enfants. Tu auras des enfants de ton épouse. Mais Abraham, maintenant, oublie ce que Dieu lui avait dit. La promesse de Dieu, parce que ça a mis long, et il va écouter la voix de sa femme. Vous savez, l'impatience peut créer dans nos vies parfois des dégâts que... Il faudra des années pour résoudre, ou bien parfois même des dégâts que nous allons supporter jusqu'à notre mort. Il y a beaucoup de personnes dans leur vie aujourd'hui qui ont des problèmes, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans des sérieux problèmes. Des problèmes où ils n'auront jamais été s'ils étaient restés où Dieu leur avait dit de rester. Abraham n'est pas resté où Dieu lui avait dit de rester. Après 10 ans, après 11 ans environ qu'il ait reçu la promesse, son épouse va lui dire que non, écoute, moi j'ai le secret. Je pense qu'il faut que tu prennes Agar et c'est d'elle que nous aurons la postérité, la descendance dont Dieu t'a parlé. Elle est venue pour
pour aider Dieu. Elle a frayé un deuxième chemin, et un chemin qui n'était pas celui que Dieu avait frayé devant son mari et pour elle et son mari. Donc, elle a créé la deuxième route. Et Abraham n'a pas dit à sa femme que non, ma femme, Dieu m'a dit que toi, tu auras un enfant. Donc, j'attendrai, même si c'est combien d'années. Et aujourd'hui, nous avons une église impatiente, une jeunesse impatiente, une génération impatiente. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent tout avoir et maintenant. Et si on n'a pas, on retourne chercher Agar. Retourner chercher Agar, c'est rétrograder par rapport à la position que Dieu veut que tu aies. Beaucoup d'enfants de Dieu sont rétrogrades, même dans les églises. Beaucoup de nos filles qu'on voyait dans les églises, là, ont des copains dehors, de premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, même les frères dans l'église, là, parce que le mariage, c'est un peu compliqué, le travail n'arrive pas à donner, n'arrive pas à avoir les moyens pour se marier. Ils ont des copains, des copines dehors. Et ça pose un réel problème dans la foi chrétienne. Il faut faire attention. La patience est une grande richesse quand on marche avec Dieu. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas récolter les grandes bénédictions avec Dieu si vous n'avez pas la patience, parce que Dieu n'est jamais pressé. Ce n'est pas un Dieu précipitatif. Notre Dieu est toujours un Dieu qui fait chaque chose en son temps. C'est un Dieu noble. Il a de la noblesse. Donc, il fait tout en son temps. Mais si vous n'avez pas la patience, vous avez la semence de l'impatience, je vous dis la vérité, vous trouverez en train de frayer dans votre vie des secondes routes. Et donc, Sarai a formé une seconde route. Elle a créé une seconde route. Et Abraham a accepté de marcher sur cette route-là. Et puis, la Bible dit que quand il a eu 86 ans, il a eu un fils d'Agar. Donc, ça veut dire que c'est à 85 ans qu'il a commencé à coucher avec Agar. Et donc, à 86 ans, il a eu un fils avec Agar. Et à 86 ans, quand il a ce fils avec Agar, certainement, ils sont contents, c'est la joie, etc. Sans savoir qu'après cela, il devrait avoir de sérieux problèmes. Et ils ont eu Ismaël. Lorsque Agar est parti, l'Éternel lui a donné le nom de l'enfant. Elle est revenue et elle a donné le nom à Abraham. Et Abraham a appelé l'enfant Ismaël. Et quand vous lisez attentivement ce passage, et vous prenez le passage que nous avons lu dans le 17e chapitre, le verset 1 à 5, la Bible dit au verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui, sous les chaînes de membres et lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Tous les théologiens, je pense, sont d'accord avec le fait que Abraham, depuis que Sarai lui a parlé, quand il avait 85 ans, jusqu'à ce qu'il ait eu 99 ans, il y a eu un problème. C'était 13 années de séparation entre Abraham et Dieu. 13 années où Abraham a abandonné la rue principale, la route que Dieu lui a tracée pour suivre la route de sa femme, pour suivre le chemin de la solution par Agar. Pendant 13 ans de sa vie, il s'est concentré sur Ismaël. Pendant 13 ans de sa vie, il était convaincu que le fils de la promesse, c'est Ismaël. Il a abandonné les voies droites du Seigneur et il a marché dans ses propres voies, dans les voies de son épouse. Chacun de nous doit souvent s'examiner. C'est important de faire une mise à jour constante. Je dois me poser la question, je marche dans mes propres voies ou dans les voies de l'Éternel, mon Dieu? Est-ce que je suis encore dans la voie de Dieu ou alors dans la voie que moi-même je me suis créée? Pose-toi la question là, c'est très important. Parce que nous pouvons parfois penser être en train de servir Dieu, de marcher avec Dieu. Pourtant, il y a longtemps que nous avons quitté la rue principale, nous sommes dans la rue secondaire. On est en train de signer dans la rue secondaire, foncer dans la rue secondaire et devancer la destruction. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, nous payons les prix de cette route secondaire que Sarai a forgée pour son mari. Nous payons encore le prix. Nous payons le prix parce qu'aujourd'hui, le conflit que vous avez au Moyen-Orient entre Israël, la Palestine, entre le monde arabe et le reste du monde, c'est une prophétie. Hein? C'est une prophétie. Il dit qu'il sera en face de ses frères, il sera contre tous et tous seront contre lui. Aujourd'hui, les pays arabes sont contre tout le monde et tout le monde est contre les pays arabes. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, il y a le terrorisme qui est issu d'une mauvaise interprétation de l'islam, hein, du Coran. Donc, ça, c'est les conséquences de la route secondaire. Si Abraham n'était pas allé vers Agar, il n'aurait jamais eu ce problème dans le monde entier. Il n'y aurait pas eu. Donc, nous souffrons encore aujourd'hui. Le monde est touché aujourd'hui encore. Nous vivons la conséquence de la route secondaire qu'Abraham et sa femme ont créée et ont suivie loin de la voie de Dieu à cause de l'impatience. Donc, devons-nous poser la question, suis-je toujours sur la route principale ou alors je suis en train de suivre la route secondaire? Plusieurs d'entre nous, lorsque la promesse de Dieu tarde, nous trouvons des solutions personnelles. De la route secondaire, c'est des solutions personnelles que tu trouves. À un certain moment, Dieu te promet le mariage et tu te rends compte que ça fait 10 ans. Tu es déjà dans la terre promise. 10 ans après, toujours rien. Alors, le voisin qui est en train de te faire les yeux doux et tout cela,
Allez, tu te retrouves en tant que fille chrétienne, tu es avec le voisin à cause de l'impatience. Et ton mari est en train de préparer. Plus ta bénédiction dure, plus tu dois comprendre qu'elle est très importante. Dieu prend le temps, c'est que Dieu est occupé à préparer ton mari, Dieu est occupé à l'embellir, à lui donner tout ce qu'il faudra pour ton bonheur. Mais quand Dieu finit, il vient, il trouve que tu es avec le bandit du quartier là. Et tu avais l'énergumène qui est dans ton quartier, qui va coucher avec toi, abuser de toi sexuellement, qui dans sa tête, ce n'est que coucher avec toi, coucher avec une fille chrétienne, coucher avec une princesse, coucher avec une fille du royaume. Et tu pars nous souiller là-bas. Et le gars couche avec toi, il bombarde l'enfant, il te bombarde un Ismaël, là, il disparaît. Pim, pim. Tu le cherches là, le gars, il a complètement disparition. On ne le voit plus sur les radars, c'est fini. Il est parti. Tu viens avec un ventre ballonné. On croit que c'est le gari que tu as mangé, que c'est le tapioca. Que tu tapioca, que tu as mangé, bien tu as bu le tapioca. Mais donc on a prié, Seigneur, que on pense que tu es constipé. Seigneur, que cet esprit de constipation laisse ma fille, qu'il m'a fait au nom de Jésus. Après, c'est la tête de l'enfant qu'on voit. On voit que tu es en train de sortir. Donc, pourquoi? Parce que vous n'avez pas été patient. Tu n'as pas été patient. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas patients. Vous comprenez? Beaucoup ont des maladies. Ça veut dire que tu étais là. Dieu voulait te préserver. Dieu voulait te garder. Dieu voulait vraiment être ton Dieu, être avec toi, te préserver. Mais après, tu dis non, le mari n'arrive pas, la femme n'arrive pas jusqu'à présent. Comment je n'arrive pas à trouver le genre de femme que je veux ici, là, à l'église, ici, ce n'est que les grands-mères. Il n'y a pas de belles femmes. Non, il n'y a pas de belles femmes. Mon ami, tu connais comment créer quelqu'un? Non, il faut faire attention. Il y a de belles femmes à l'église. Toutes ça sont belles. Si tu ne vois pas, tu viens, je veux te montrer comment voir la beauté en Christ. Donc, et là, tu vas te retrouver dans une relation que Dieu n'avait pas prévue pour toi. Toute relation dans laquelle tu t'engages, dans ta vie, qui n'avait pas été prévu, qui n'est pas dans le programme de Dieu, le programme de vie de Dieu pour toi, est un second chemin. C'est une seconde route que tu es en train de créer. Après, tu vas te retrouver avec des maladies graves. Et tu vas venir, oh, prier pour moi, je suis malade, Seigneur, pitié de moi, Seigneur, guéris-moi. Si tu étais resté tranquille, étais resté calme, tu ne serais pas malade. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes, enfants de Dieu ou pas, qui sont dans des maladies aujourd'hui, VIH, etc., etc., chlamydia, etc., etc., tout simplement parce que tu ne mènes pas une bonne vie. Tu n'as pas attendu. Il fallait attendre. Dieu t'aurait donné une femme qui craint son nom et qui est fidèle. C'est-à-dire que quand tu vois que ta bénédiction tarde, c'est que Dieu est occupé, il est dans la salle de préparation de bénédiction pour. C'est-à-dire que tu comprends que la bénédiction qui vient là, c'est grand. Ce qui vient là, c'est grand. Parce que plus ça tarde, plus c'est glorieux. Plus ça prend du temps, plus c'est puissant. C'est ça la réalité. Mais que beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas. Mes amis, soyons patients dans la vie. Beaucoup de jeunes sœurs dans l'église sont devenues prostituées parce qu'elles attendaient l'argent, la bénédiction financière. Au lieu de servir Dieu calmement, endurer en silence la souffrance, le manque, la pauvreté, en attendant le jour favorable, hein, le jour convenable, alors elle se dit non, je vais faire comment? Je vais attendre, je souffre déjà trop, c'est trop, mais le lait de toilette, je n'arrive pas. Oui, Dieu, je me souviens que quand j'ai croisé mon ami à l'époque, mes amis, mon épouse à l'époque là, elle utilisait le lotus comme serviette hygiénique. Elle utilisait le lotus. Dieu m'est témoin. Elle m'a dit qu'elle utilisait le lotus. Elle l'a enduré. Elle avait une seule chaussure noire, bateau là, plastique, qui était déchirée en bas. Elle n'avait plus de vêtements. C'est une soeur qui lui a donné un jour à l'église, à l'époque en 2013, je crois, 2012, des vêtements. Et c'était une soeur grasse. Et mon ami à l'époque était mince comme ça là. Et elle lui a donné. Elle a pris l'argent pour coudre, elle n'a pas pu coudre les habits. Elle-même a déchiré ça à la maison, elle a décousu, elle a cousu elle-même avec le fil de ses propres mains à Essos là-bas. Mais elle a enduré ça. Mais à la fin, Dieu l'a élevée, Dieu l'a bénie et Dieu l'a honorée aujourd'hui avec la couronne de la vie éternelle. Vous voyez, donc, avec Dieu, il faut être patient. Il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas souffrir. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne souffres pas. Non. Tu dois souffrir. Dieu va t'éprouver. Dieu va d'abord te laisser avec la souffrance, le temps d'aller préparer ton élévation. Il te laisse avec la pauvreté, le temps d'aller préparer ta richesse. Il te laisse d'abord avec le célibat, entre les mains du célibat. Le célibat te garde. Ce n'est pas que tu es en train de mourir. Non, ça te garde. C'est-à-dire que le célibat est ton gardien et travaille ton caractère le temps que Dieu prépare ton mariage. C'est-à-dire que Dieu te laisse d'abord avec le rabaissement et tu es dans l'humiliation, tandis qu'il est en train de préparer ta gloire. Donc, il faut que vous compreniez cela. Ne prends pas la souffrance comme une mauvaise chose. Ne prends pas la souffrance comme si Dieu m'a abandonné. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu réfléchissent. Et tu vas te retrouver en train de t'engager dans des choses qui vont détruire ta vie, peut-être pour toujours. Des choses qui vont ruiner ta vie pour toujours. Tu vas faire entrer dans ta vie des personnes qui sont des agents de Satan, qui vont venir te voler ton temps précieux pour rien. Abraham a perdu 13 ans précieux,
13 années précieuses de sa vie à suivre une illusion. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes sœurs à l'église aujourd'hui sont engagées dans de fausses relations. Parce qu'elles sont, ça dit, elles ont une soif indisciplinée du mariage ou bien de sortir de la pauvreté. Et elles se retrouvent engagées dans une relation, après 10 ans, le gars te lâche. Après 13 ans, le gars te lâche. Après 13 ans, Abraham s'est rendu compte que c'était une illusion. Il n'a pas pu rattraper ces 13 années de sa vie. Il a perdu 13 années précieuses, importantissimes de sa vie à suivre un rêve qui n'était pas de Dieu. Qu'est-ce que tu suis? Quel est le rêve que tu es en train de suivre aujourd'hui? La Bible dit que quand il a eu 99 ans, vous prenez de 85 ans, parce que c'est à 85 ans qu'il a connu Agar, 85 ans jusqu'à 99 ans, ça fait combien d'années? Souvent 14 années perdues pour rien. 14 années. Et Dieu revient donc trouver Abraham. Il n'a pas trouvé la solution. Est-ce qu'il a donc eu Isaac? Il n'a pas eu Isaac. Il n'y a que Dieu pour donner Isaac. Lorsque Dieu te fait une promesse, il n'y a que Dieu pour accomplir cette promesse. Aucun homme ne peut faire ce que Dieu seul peut faire. Personne ne peut le faire. Personne ne peut remplacer. Aucune parole d'homme. Il a écouté la parole de sa femme. Et pendant ces 13 et 14 ans, écoutez bien, Dieu n'a plus jamais parlé à Abraham. Dieu n'a jamais parlé à Abraham pendant les 14 ans de sa vie où il a suivi le chemin qu'il avait tracé avec sa femme, la complicité de sa femme, comme Adam, dans le jardin d'Éden, a suivi le chemin que sa femme avait aussi tracé. Dieu n'a pas parlé à Abraham, lui qui était l'ami de Dieu. Pendant 13 ans, si vous ne le saviez pas, Abraham a passé 13 ans sans révélation, 13 ans sans apparition divine. Pourquoi? Parce que Dieu n'apparaît pas dans les rues secondaires. Dieu est dans la rue principale. Dieu est dans la rue principale, c'est là-bas. Donc, j'ose croire que ce jour-là, Abraham est en train de méditer sur lui-même et sur les paroles de Dieu pour sa vie, les promesses de Dieu pour sa vie. Et en train de se dire qu'attends, j'ai commis une bêtise, c'est sûr. Pendant 13 ans, non, j'ai commis une bêtise, j'ai suivi un mauvais chemin. Ma femme, elle m'a induit en erreur. Et donc, il était certainement en train de regretter dans son esprit pourquoi elle avait suivi. Et il revenait au Seigneur. Et la Bible dit qu'à 99 ans, ce jour-là, le Seigneur, pardon, lui a paru. Et le Seigneur lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Quand on dit ça, c'est un reproche. Ça veut dire qu'il ne marchait plus devant la face de Dieu et n'était plus un homme intègre. Cet homme intègre que Dieu avait connu en Abraham, il n'avait plus vu cet homme intègre. Cet homme qui marchait devant sa face sur la route principale, Dieu ne le reconnaissait plus. Et Dieu invite donc Abraham à revenir sur la route principale. Il lui dit, abandonne la route secondaire, sors de la route de ta femme, parce que cette route-là a failli détruire son mariage. Abraham a failli se séparer. Agar a failli séparer Abraham de Sarai. Je vous dis la vérité. Pourquoi? C'était leur faute. Si c'était aujourd'hui, peut-être, elle aurait réussi. Avec tous les trucs qu'on a là, elle aurait réussi à séparer. Ils seraient à l'origine eux-mêmes de leur propre malheur. Donc, vous faites attention. C'était très dangereux pour Maman Sarah, vraiment à son âge, de prendre une jeune fille pimpante et en plus une Égyptienne. Elle n'était même pas une juive. On va dire, ok, elle avait quand même du caractère. Elle était une Égyptienne. Ça veut dire qu'une fille qui connaissait la vie. Une fille qui te récupère le père comme ça, là, elle le travaille comme ça, elle le moule comme ça, elle le plie comme ça, elle le casse comme ça. Quand Abraham sort le matin, c'est seulement les visions qu'il voit. C'est les visions qu'il voit. Et les visions là, c'est la tête d'Agar qu'elle voit, les reins d'Agar qu'il voit partout. Et ça pose un réel problème. C'était un grand danger. C'était un gros risque que Sarah prenait. C'était une jeune fille pleine qui pouvait faire à Abraham ce que Sarah ne pouvait plus faire. Et c'est ça la vérité. C'est-à-dire que les anciennes méthodes là, la fille a porté les inventions. C'est-à-dire que les nouvelles positions, depuis les positions de l'heure, quand elle a frappé, pom, 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 elle a fait comme ça, le père a dit, le père, non, calme-toi, moi, je fais le travail, fils Abilila. Et puis Abraham sort le matin, il dit, papa, le jasis, ça existe encore. Sarai a pris un risque. Si Abraham n'était pas un homme ferme, ce qu'il aurait dit à son épouse, que non, vraiment, la mère, toi, va là-bas, laisse-moi avec la petite fille, c'est toi-même qui me l'as donné. Et quand Sarai a dit, non, elle dit, mais c'est toi-même qui me l'as donné, non. Et si je l'ai cherché, non, c'est toi, j'étais moi tranquille, machin, dans mon coin, tu m'as dit, prends. Écoutez, mes amis, les secondes rues, parfois sont silencieuses. Tu peux t'éloigner de Dieu sans savoir que tu t'es éloigné de Dieu. C'est très important de toujours faire une mise à jour, de toujours faire un examen de conscience, te demandant, est-ce que je suis toujours où Dieu m'avait laissé? Est-ce que je marche toujours sur le chemin où Dieu m'avait laissé? Est-ce que la relation, c'est l'homme-ci qui entre dans ma vie-ci? Est-ce que il est dans la liste des hommes qui devaient entrer dans ma vie, dans la liste que Dieu avait préparée pour moi? Ou alors c'est la liste que moi-même je me suis faite. Beaucoup d'enfants de Dieu sont engagés dans des choses qui ne sont pas de Dieu.
Parfois, dans le travail, là, le lieu où tu travailles, ce n'est pas où Dieu voulait que tu sois. L'homme avec qui tu es en train de cheminer pour le mariage, là, ce n'est pas l'homme de ta vie. La femme que tu allais doter au village, là, ce n'est pas la femme de ta vie. Tel business dans lequel tu veux te lancer, Dieu ne voulait pas que tu ailles là-bas. Ce n'est pas le côté où Dieu voulait que tu ailles. Il est important de demander à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, sous les chaînes de Mamré, dis-moi si je suis encore sur le droit chemin. Et si nous faisons cette prière sincèrement de tout notre cœur, Dieu te ramènera sur le droit chemin. Dieu te dira, viens. Je me souviens, je vous ai raconté l'histoire. Nous tous, parfois, on a des secondes routes. Hein. Moi, je n'ai pas honte de vous rendre souvent mes témoignages. Parce que je suis un homme. Je suis un homme. Avant d'être un homme de Dieu, je suis un homme. Donc, il faut comprendre cela. C'est important. Je ne suis pas Dieu. Donc, je vous ai rendu le témoignage que j'étais en train d'enseigner dans une ville qu'on appelle Magba. Il y a une jeune étudiante au lycée qui m'a donné une lettre, elle faisait quatrième, elle m'a donné sa lettre, là, et j'ai lu la lettre, là, et dans la nobule, c'était une question d'amour, elle était amoureuse de moi et tout cela, et je n'ai pas répondu à la lettre, et un jour, comme j'habitais dans une chambre, on a toqué à la porte, et j'ai ouvert, et c'était elle, et je l'ai fait entrer, et quand elle est entrée, elle m'a dit, monsieur, je suis vierge, et je voudrais que vous me déviergiez, et puis elle a commencé à descendre son pantalon, je lui ai dit, oh, attends d'abord, attends, on va causer d'abord, on s'est mis à causer. Je lui ai dit, tu vois, si on fait ce que tu veux faire là, tu vas tomber enceinte. Elle a dit qu'il y a le préservatif. Je lui ai dit, ok, si on fait ça, ta vie sera gâchée. Tu sais, si tu tombes enceinte, là, tes études vont s'arrêter, tes parents, c'est une grosse déception et tout. Et j'ai commencé à lui parler du Seigneur Jésus-Christ. C'était dans les années 2002. C'était 2002-2003. Donc, Donc, quand je lui parlais du Seigneur, elle s'est mise à pleurer et elle a levé son pantalon. Elle a remis son pantalon. Et quelque chose s'est passé. Mais à l'école, elle insistait toujours qu'elle m'aime, qu'elle me veut et tout ça. Et mon cœur a commencé à dire que, gars, voici une occasion comme ça, tu tiens un coup seulement, ça va, mais tu te repens après. Non, profite, regarde la fille, toi, mais regarde le produit. Quelqu'un te dit que des vierges, moi, toi, tu dis que non. Tu prends seulement une fois, c'est fini. Une fois, pas deux. Une fois, tu pars, tu ne regardes pas derrière. Une seule fois, et c'est fini. Ouais. Donc, pour dire la vérité, mon cœur a commencé à fléchir. C'est-à-dire, j'ai commencé à réfléchir que je peux faire comment pour rencontrer la fille ici. Ça se passera comment? Donc, cette guerre était dans mon esprit. Alors, une nuit, j'étais en train de dormir. Le Seigneur m'apparaît en vision et il me dit, Ferdinand, écoute, sors de cette ville avant que tu ne sois contaminé par le VIH. Parce que la voie que tu veux suivre, ce n'est pas ma voie. Quand je me suis réveillé, j'ai fui, j'ai laissé le lit au bailleur, le matelas, j'ai tout laissé. J'ai pris les habits que je pouvais prendre, j'ai pris, bam, je suis sorti de Magba le jour, en plein jour. J'ai fui la ville, d'après la parole de l'Éternel. Qui resterait dans des conditions comme celle-là? Et l'Éternel m'avait sauvé d'un second chemin. Et c'est vrai que si j'avais suivi cette voie, je partais avec cette fille, certainement après elle, j'allais avoir le VIH. J'allais me retrouver malade, contaminé, parce que j'ai créé un chemin. Dieu ne m'avait pas envoyé là-bas pour suivre les filles. Il m'avait envoyé tout simplement. Et cette année-là, le Seigneur m'avait dit en vision que cette année, je te bénirai. Tu ne gagneras pas beaucoup, ton salaire ne sera pas beaucoup, mais ce que tu réaliseras avec ce salaire, vraiment, au Gazera. En 2002, j'ai acheté un lit. Ce lit existe encore aujourd'hui. 2002, 2012, 2021. 19 ans aujourd'hui. Dieu m'avait dit, et mon salaire c'est 28 000 francs. Dieu m'avait dit qu'avec ce salaire, c'est petit, mais avec ça, tu vas réaliser des choses. Et la parole de l'Éternel est vraie. Elle est même dans un lit. Donc j'ai suivi les voies du Seigneur. Et Dieu m'a préservé. Je serais malade aujourd'hui, je serais fini. Je serais complètement fini, je serais par terre. Ouais. Donc, pour dire quoi? Pour dire que quand nous suivons les seconds chemins, c'est nous qui perdons. D'abord, tu perds un temps que tu ne récupéreras jamais. Et pendant ce moment, tu perds des bénédictions, tu perds des élévations. Et je pense que ça aurait été possible qu'Abraham eut son enfant avant ses 100 ans. Qu'Isaac vienne avant ses 100 ans. Mais que ça a pris du temps parce qu'Abraham était tombé dans le suçon avec sa femme. Dieu ne le voyait plus. Donc, la leçon, la conclusion, soyons patients. Soyons patients. Ne sois pas pressé dans la vie. Vois l'autre réussir, ne sois pas pressé. Dieu a gardé quelque chose de plus grand que toi, mais tu ne sais pas. Comme Dieu ne nous montre jamais ces choses, c'est quand ça arrive que tu vois. Tu peux être en train de mourir pour quelque chose que démon va te donner, ça tu refuses. Je dis la vérité. Attendez, je prends le téléphone. Ça, c'est vrai.
prends l'affaire ici, très au sérieux. Tu es en train de courir après un homme qui te menace, même, il t'insulte même. Un homme qui ne connaît pas ta valeur. Pourtant, il y a ton vrai mari quelque part. Un homme, il tape même sur toi. Tu es fort. Va dehors, va lutter avec les hommes. Quand il tapait ma petite soeur, elle me disait toujours que tu es fort, non? Ta force est sur les femmes. Va taper tes égaux là-bas dehors. Va lutter avec tes égaux, avec les hommes là-bas dehors. Donc, s'il te plaît, examine-toi ce matin. Sur quel chemin tu marches? Est-ce que tu n'es pas sur la seconde route? Es-tu sur la route principale ou sur la seconde route? Que Dieu nous ramène sur la voie principale. Lève la voix avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Seigneur, ramène-moi sur la voie principale. Oh, ramène ma vie sur la voie principale. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Barika wa innas maritum. Seigneur, ramène-nous sur la voie principale. Dans le nom souverain de Jésus. Je t'en prie, Seigneur. Seigneur, sors-moi des secondes rues de ma vie. Sors-moi des secondes rues de ma vie, mon Dieu. Ramène-moi dans la voie principale. Seigneur, aie pitié de ton serviteur. Ne me laisse pas mourir là-bas. Toi qui as fait grâce à Abraham, Seigneur, fais-moi aussi grâce. Toi qui as visité Abraham, mon Dieu, visite-moi aussi. Seigneur, toi qui as changé l'histoire d'Abraham, Seigneur, change aussi mon histoire. Étends ta main dans ma vie. Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, nous demandons pardon à Dieu, mes amis. Nous te demandons pardon. Pour chaque fois où nous avons créé des rues secondaires, pour chaque fois, Seigneur, où nous avons voulu que notre sagesse défie ta sagesse, pour chaque fois où ta pensée est trop lambinante, trop manquant de sagesse, Seigneur. Oh, Zaratawa Ines Prameros, Kletera Ina Abrosteikan Samaros, Malita Udelikum, Wa Illa Banateka Wa Anastaka Felaza. Seigneur, merci parce que tu ramènes au cœur sur le droit chemin. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. On va briser les limites et les repousser. Si nous marchons sur les rues secondaires, puisse Dieu nous ramener sur les voies, la voie principale au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous avez le standard qui est ouvert directement. Vous pouvez envoyer vos messages ou appeler directement au 600, au plus 237 672 1303 23. Voilà. Ou alors au plus 237 692 40 71 86. Écoutez, s'il vous plaît. On m'a appris qu'il y a des faux profils en mon nom qui appellent les jeunes femmes, appellent les femmes, leur demandant d'envoyer des photos nues ou bien faisant des appels vidéo. Vraiment, j'ai dit à ceux qui m'ont dit, comment les gens peuvent être bêtes jusqu'à ce point? Hein? Comment quelqu'un peut me demander de lui envoyer ma photo nue? C'est-à-dire que c'est le prophète Kané Ferdinand, envoie ma photo nue et vous ne parlez pas avec la personne au téléphone. On m'a dit qu'il y a les appels vidéo. Que les gars montent aujourd'hui, ils prennent mes vidéos et ils mettent où je parle d'autres choses et la bouche. Mais regarde la bouche, pose des questions. Moi, tu ne peux pas me tromper comme ça. On ne peut pas me tromper jusqu'à ce. Donc, je suis fatigué même. Pour moi, même, je ne comprends pas comment les gens peuvent se faire avoir aussi bêtement, aussi facilement, sincèrement. Donc, s'il vous plaît, voici ma page principale. Il y a mes numéros. Donc, je suis fatigué du fait que les gens vont m'appeler. Papa, j'ai envoyé l'argent sur Messenger. On a causé sur Messenger. Je ne cause pas avec vous sur Messenger. Je vous ai donné WhatsApp. Il y a mon WhatsApp. Vous avez mon WhatsApp personnel. Donc, ne me dérangez plus. Si on vous arnaque dehors, ne vous plaignez pas chez moi. Ne vous plaignez pas chez moi. Pardon. Voici mon Orange Money, MTN Money, que j'ai ouvert. Les gens n'envoient pas les offrandes là-bas. C'est aux arnaqueurs que les gens envoient. Pour après me pleurer. Non, papa. Comment tu peux avoir le WhatsApp de quelqu'un, c'est sûr. Facebook, tu vas causer avec les gens. J'ai déjà parlé. Si quelqu'un vous demande l'argent, ce n'est pas moi. Comprenez ça une fois. Quelqu'un vous dit, envoie l'offrande de tel. Envoie l'offrande. Non, quand je passe en direct, quand je dis que, ok, envoyez vos offrandes, je donne Orange Money, il y a le numéro. Et quand vous tapez, c'est Ekane Ferdinand. Toutes ces mesures-là que j'ai prises là, moi, je n'avais pas l'intention d'ouvrir Orange Money ou bien Momo, etc. Donc, voilà un peu mes amis. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui vous demandent l'argent, ce n'est pas moi. Quelqu'un vous tape, il te dit que, oh, montre-moi la photo et tout cela, ce n'est pas moi. Remets la personne à sa place. Quand vous demandez, vous causez avec quelqu'un, il demande des offrandes, vous demandez des choses bizarres, dites-lui que je vais un appel vidéo, je veux vous voir. Avant d'envoyer, moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Ok, donc, on a les appels. On va prendre ce premier appel. Allô, bonjour. 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 Oui, bonjour, maman, vous appelez d'où? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous appelez d'où? Au Niger. Le Niger, voilà, comment va le Niger? Le Niger. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, ça va bien, papa. Vous avez retenu quoi dans l'enseignement ce matin?
Vraiment, moi, ce que j'ai retenu, c'est d'être toujours patient dans la vie, attendre la volonté de Dieu, le temps de Dieu. Ouais. Alors, vous avez un sujet de Ouais, prière ou un c'est ça. témoignage? Oui, j'ai un sujet de prière, papa, parce que mon sujet de prière, c'est sur votre message d'aujourd'hui. Oui. C'est sur l'enfantement. D'accord. Oui, ça fait 3 ans maintenant, mon mari et moi, on est mariés. Il n'y a pas d'enfant. Oui. Donc, c'est ça. J'avais fait des avortements. Après, j'ai fait le traitement et puis j'ai eu une grossesse à 2 mois, ça s'est arrêté. Et depuis ça, ça fait 1 an. Maintenant, je n'ai pas eu de grossesse. D'accord, je prie. Père, je prie au nom souverain de Jésus que ma fille, avant la fin de cette année, ait eu un retard, que l'année prochaine accouche, que la grâce de maman Sarah tombe sur elle maintenant, au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse au Niger là-bas, que la grâce de notre maman Sarah soit sur vous, dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Tu vas préparer ta bouteille d'eau, nous allons prier, je veux te bénir, je bénis ta journée et la main de Dieu sera sur toi. Nous allons prendre un autre appel. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oh, rapidement. La connexion. Ça dérange. Je vais devoir partir. Pour gagner en temps. Donc, voilà. On va prendre un autre appel. Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Depuis Douala. D'accord. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'enseignement ce matin? Bon, ce qu'on a retenu de l'enseignement, on a retenu par rapport au second chemin. Ok, d'accord. Alors, vous avez un sujet de prière ou un témoignage? Un sujet de prière. Ok, allons-y vite, s'il vous plaît. Bon, un sujet de prière pour ce matin, c'est aussi de l'enfantement. L'enfantement. Père, je prie au nom souverain de Jésus pour mon fils, que la même grâce leur soit donnée. Le miracle de Sarah et maman et papa Abraham vous soit donné au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Dieu le fera. Et sa fidélité est notre bouclier. Que le Dieu d'Abraham se souvienne de nous et que le Seigneur puisse se manifester puissamment dans nos vies, dans nos foyers au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain, par la grâce de Dieu, on aura un peu plus de temps pour causer ensemble, pour prier. Voilà. Donc, il y a tellement d'appels et je vais aussi privilégier ceux d'ailleurs. De prendre ton eau dans un verre ou dans une bouteille, on va prier ensemble. Garita wa inna brasperas wa inna roda likarus man adenata. Lo crème wa inna sprozen. Lo inna wa arbias man isharo. Père, je prie pour cet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la communion autour de cette eau sainte puisse être manifestée. Que cette eau ointe se glorifie et que ton nom soit glorifié à travers cette eau ointe dans nos vies, dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Père, je prie que tous ceux qui sont malades en buvant de cette eau ce matin reçoivent la guérison, la restauration, dans le nom précieux souverain de Jésus. Que ta main forte parle dans leur vie. Seigneur, merci parce que tu nous accordes la victoire sur toutes les œuvres de Satan. Dans le nom précieux souverain de Jésus, nous prions que les portes de cette journée nous soient ouvertes et qu'elles nous obéissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu prends ton eau, tu bois au nom de Jésus. Que ta journée soit bénie, qu'elle ne t'apporte que bonheur et succès. Au nom souverain de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui sont dans Douala, tous les habitants de Douala, nous avons 2 jours à Douala, mercredi, jeudi, ce mercredi et ce jeudi. Tous les soirs à partir de 17h, 17h, nous avons des jours, 2 jours de rencontres. La main de Dieu va se manifester. Mini nuit de flammes ce mercredi et ce jeudi. La gloire de Dieu agira telle que tu n'as jamais vue. Dans tous les cas, si tu veux voir, viens. Ne reste pas à la maison. Que la main de Dieu te parle et t'amène. Que Dieu te prenne et t'amène pour ta bénédiction. Ta journée est bénie au nom de Jésus-Christ. Et vendredi, nous avons atmosphère de miracle à Yaoundé. Et dimanche, nous aurons 2 cultes à Yaoundé. C'est le premier culte du mois. Ne reste pas à la maison. Viens prendre possession des portes du mois de juillet. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Love you. Shalom.